Projet 2. La famille et le foyer. Thème 1. Les membres de la famille. Conte numéro 4. La famille. Ce vendredi, toute la famille de Lina et Zacharia est réunie. Il y a leur père Adil, leur mère Mona, leur grand-mère Amina, leur grand-père Lhaj Ahmed, leur oncle Ali, leur tante Latifa et leur cousin Farid, Mina et Nora. Ça fait du monde. Lola se cache dans un coin du jardin pour échapper aux enfants qui leur courent derrière. Lola, où te caches-tu? Crient les enfants. Lina va voir sa grand-mère. Grand-mère, est-ce que tu vas voir Lola? Non, mais laissez-la tranquille, répond-elle. Elle court voir son oncle. Mon oncle Ali, sais-tu où est Lola? Oui, elle se cache pour ne pas vous voir. Oh, ça n'est pas drôle, dit Lina. Zacharia arrive en courant. Notre tante Latifa a trouvé Lola. Venez, elle se cache derrière l'arrosoir. Les cousins, cousines, courent tous vers Lola qui ferme les yeux. Peut-être vont-ils la laisser tranquille. Lola, on te voit, ne fais pas exprès de dormir. Joue avec nous, crie-t-il. Projet 2. La famille et le foyer. Thème 1. Les membres de la famille. Conte numéro 4. La famille. Ce vendredi, toute la famille de Lina et Zacharia est réunie. Il y a leur père Adil, leur mère Mona, leur grand-mère Amina, leur grand-père Lhaj Ahmed, leur oncle Ali, leur tante Latifa et leur cousin Farid, Mina et Nora. Ça fait du monde. Lola se cache dans un coin du jardin pour échapper aux enfants qui leur courent derrière. Ouh, ouh. Lola, où te caches-tu? Crient les enfants. Lina va voir sa grand-mère. Grand-mère, est-ce que tu vas voir Lola? Non, mais laissez-la tranquille, répond-elle. Elle court voir son oncle. Mon oncle Ali, sais-tu où est Lola? Oui, elle se cache pour ne pas vous voir. Oh, ça n'est pas drôle, dit Lina. Zacharia arrive en courant. Notre tante Latifa a trouvé Lola. Venez, elle se cache derrière l'arrosoir. Les cousins, cousines, courent tous vers Lola qui ferme les yeux.
Peut-être vont-ils la laisser tranquille. Lola, on te voit. Ne fais pas exprès de dormir. Joue avec nous, crie-t-il.